La méthode En Marche, c'est regarder le monde tel qu'il est, se débarrasser des idées toutes faites, faire confiance. Notre marque de fabrique, c'est l'écoute. Cette campagne, c'est l'occasion de venir à votre rencontre, d'écouter vos espoirs, vos idées, vos solutions. Je m'appelle Florian Bachelier, j'ai 38 ans, je suis avocat, entrepreneur et responsable associatif. Ma famille vient du Finistère et je me suis installé à Rennes pour mes études de droit. Je suis aujourd'hui associé dans un cabinet rennais qui accompagne les entrepreneurs du numérique, des biotechnologies, des nouvelles énergies et de l'économie sociale et solidaire. En parallèle, je me suis engagé aux côtés d'une association qui aide les jeunes artistes. Nous avons sur ce territoire toutes les ressources et les talents pour créer les emplois de demain. Nous devons repartir du réel, faire dialoguer les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires, associatifs, citoyens, toutes celles et ceux qui voudront nous aider à bouger les lignes et déverrouiller les habitudes. Nous avons ici une voix particulière à porter sur les thèmes de l'école et de la formation, de la transition écologique, de la transition numérique, de la culture et de l'égalité femmes-hommes. La seule condition est de renouer avec l'optimisme. Ne pas subir, ne pas nous résigner, nous battre pour construire une France plus juste et plus forte dans l'Europe et dans ce monde qui se transforme. La République m'a beaucoup donné. Je sais ce que je lui dois. Il est temps aujourd'hui de rendre une partie de ce que j'ai reçu. Je ne conçois pas la politique comme une profession, mais comme une mission que vous me confiez pour servir l'intérêt général. Écouter, travailler avec vous, rendre des comptes seront ma méthode. C'est celle du président de la République et celle des futurs députés de La République En Marche. Je me suis engagé aux côtés d'Emmanuel Macron dès le 6 avril 2016. Il m'a confié la mission de référent du mouvement En Marche en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, il me fait confiance pour incarner le renouvellement, le dépassement des clivages et porter un projet politique alternatif sur la 8e circonscription. Les 11 et 18 juin, je compte sur vous. Donnez avec moi une majorité présidentielle à Emmanuel Macron.